Bonjour à tous, c'est lui dans cette nouvelle vidéo de Gamekeeve, les gens. On se retrouve aujourd'hui, ça y est, pour la fin de Zelda Tears of the Kingdom, en tout cas la fin de l'histoire principale. Abattre Ganondorf. Apparemment, c'est pas tout de suite, mais oui, on a préféré stopper parce que on sait qu'il va y avoir un truc qui va se passer. Le site du sceau. Donc là où il a été. Oh what, c'est encore ultra profond. On faut faire péter avoir de pouces bleus. Hein. On veut un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Pour ce dernier épisode de l'histoire de Tears of the Kingdom. C'est toujours mal de finir à Zelda. Surtout les Zelda, c'est pas souvent. Oui, quand même, oui. De cet niveau-là. Et puis de ce niveau-là, de cette qualité de scénario. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, en tout cas. Entre miasmes. En tout cas, faut faire péter avoir de pouces bleus. Faut s'abonner à la chaîne. Faut nous dire si ça vous plaît. Et là, c'est la dernière ligne droite. La musique un peu... C'est quoi cette musique de ouf, là ? Donc j'ai été faire à manger, j'ai récupéré des épées, j'ai été passer les amiibos, donc on a pas mal de flèches, j'ai été faire des repas, j'ai été acheter toutes les flèches qu'il y avait dans tous les villages. Normalement, on est prêt. C'est quoi cette musique de ouf, là ? Ouais, je sais pas, mais... j'aimerais bien juste prendre la torche, parce que je pense que s'ils en mettent une, c'est qu'il faut le faire avec. Bah, tu peux virer un truc, hein. Au pire, tu vires celle-ci, ouais. Parce que je préfère garder l'autre et mettre un truc dessus. Vas-y. Je vais faire ça. Incroyable, la musique. Bah oui, elle est trop bien. Mais c'est pour ça qu'on nous a dit, hein, de bien mettre le son. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Du coup, on va prendre ça. Parce que je pense que c'est Je pense prévu. Que c'est pour faire un peu un revival de, du début. Du coup, je vais faire un petit feu de bois. Ouais, je vais faire un feu de bois. Du coup, on a plein de plats, on a plein de trucs. Normalement, c'est pas trop mal. J'ai acheté les bombes, j'ai acheté des trucs de feu. Enfin, normalement, ça devrait être bon. Je pense qu'on va regarder cette tenue parce qu'elle est stylée et puis elle est pas maxée de ouf. Elle est que niveau 2, donc oui. On va voir. On verra bien. Bon, en tout cas, on est hype pour la fin, on est triste quand même. Mais après, c'est pas fini, voilà, il y a encore quelques petits trucs à faire après, les tenues, les quêtes, voilà, on aimerait bien finir le jeu à 100% comme on a fait sur Breath of the Wild, à part les Korogus. On a bien fait d'arrêter là où on a arrêté, je trouve. Mais oui. Parce que la musique n'avait pas commencé. Un petit peu, j'avoue. Un petit peu, mais légèrement. Mais là, c'est pas possible, on peut plus respirer. Oh, la couleur, elle change. On est profond dans les profondeurs, là. La couleur change. Ouais, j'ai vu. Je crois que ça sert à rien d'attendre, parce que tu vas encore plonger, je pense. C'est pas possible, mais... Non mais tu vas arriver au noyau de la Terre, hein. C'est quoi? C'est quoi? C'est Ganondorf? Non, c'est une reine, je pense. Non mais derrière. Exceptionnel. Bon, on va le refaire. Ça va, c'est juste là. Allez, cette fois-ci, on se tait. On revient, parce que je pensais qu'il allait y avoir une cinématique. Oh, punaise. Oui, il va y avoir un foil. Ok.
Bah non, mais il est trop des sages. Alors, tu pars au courant en solo maintenant? Tu sais bien que t'es pas tout seul, Link. Tu peux compter sur moi. T'en fais pas. J'en ai fait le serment à mon vénérable ancêtre. Je vais combattre à tes côtés. Je suis là! Nous protégerons les renforts de Link! Le peuple Gerudo a une dette envers toi! Je vais maintenant l'honorer! Je vais pouvoir réparer les erreurs du passé et mettre un terme à la tragique histoire qui me lie au roi démon! Trop stylé. Très stylé. Ah ouais, trop avec stylé. La tenue de Link en plus. Oui, oui, c'est pas mal. Ah oui, donc ok. On y va direct. Ok, donc l'armée du roi. Prends une bonne arme. Non mais t'es sûr que tu vas dire pas venir à Nimba? Ah si si. Vas-y, tu peux. C'est pas si ouf que ça. Oh là, tu t'es déjà fait toucher. Ah, elle se casse. Mince. C'est mon feu. De ma grande là. Et alors, ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est quoi qui a autant de vie là? Ah, du coup, après, tu perds par contre le pouvoir. Elle s'arrête. Il doit en avoir des argent. Parce que là, il y en a eu des bleus. Je fais un truc assez puissant. Tu penses qu'on va devoir battre au fur et à mesure? Mais j'ai dit que j'y ai stylé. Hein. Ouais. Ah oui, ils attaquent. Ah oui, c'est marrant parce qu'ils attaquent tous. Un peu. Ah oui, ils sont présents. Mais ah oui, c'est les vrais, ça, c'est pas les vrais, les... c'est pas les. C'est pas les, les fantômes en tout cas. Ça, c'est très efficace ce que je fais, mais. Du coup, j'ai quand même leur pouvoir. Hein. Oui. Ah, c'est les stuns, c'est marrant. Ah bah, je pourrais rejouer, hein. Avec mais justement, je la cherche. Ouais. Allez, ouais. Viens là, toi. Bon bah sinon ça. Oui sinon ouais. Bah il manque un. Il manque un truc. Il est trop petit. Vas-y. Mince. Faut que je sorte. On est à la moitié de l'armée. Donc je pense qu'il va y avoir plein de trucs qui vont arriver. Je pense qu'il y en a une barre d'autres, ouais. Est-ce qu'il peut avoir des linelles et des trucs comme ça? Je pense pas. Hein. Peut-être. Hein. Bon là, on a le fait de s'arrêter juste hier. Oui bon. Ouais, ouais, ouais. Ok, oui. Donc les elfos. C'est ton arc x5 là ou son arc x3? Non, 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 t'inquiète. C'est un arc royal, c'est ah juste oui. Un arc. Bah après, je peux les utiliser. Hein. Oui, 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 oui. Parce que j'en ai 3. Hein. Après, ça fait 3 flèches, non, ça fait 1 flèche. Pas mal. Non, ça fait 3 flèches. Ça utilise 3 flèches. Ah oui, ça utilise. 204, non, c'est bon, ça utilise une flèche. Non, j'ai pu en dépenser autant. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense qu'on a pas fait gaffe. Je pense, ouais. Ça se trouve, il nous en restait pas tant que ça. Hein. Il va rester encore une armée, ouais. De quoi? Bah, de. Inox? Attaquez-le! Des Bokoblins, des Bokoblins. Bah, on a déjà eu au début. Non, on a eu des Moblins. Non, on a eu des Bokoblins, justement. Ah oui, bah, des Moblins alors. Ah, des. Ah, des. Ok, des. Mince. Des guides de pont. Ah, bah, très bien. Oui. Ah, ils sont trop hauts. Mince, je suis plus en flamme. Oublie pas Ryu, hein. Ouais, mais là, j'ai one shot. Ouais, ouais, ouais. Il y en a plein de trucs de feu. Hein. Il n'y a pas que oui, ça, les jubis, ouais, 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 il y a plein de trucs. Il y a ça aussi. Oui, mais vas-y, arrête de reculer. Voilà. C'est ta gueule, je t'ai fait du coup. Ça va, t'as pas trop perdu. Ah bah, il y a le gros aussi. Le gros? Bah, le golem, là. Ah oui, bah oui, bah oui. Il est en flamme. Ah oui, bah oui. Ah bah voilà. Oui, bah oui. GG le golem.
Attends, mais tu vas finir avec des lunettes quand même. Non, non. Si. Bobine. Allez, Bobine. Ou trop Bobine, trop. Ah oui, peut-être que c'est trop Bobin. Trop Bobine. Ils sont gigantesques. Ah, les mains de Ganondorf, non. Ah oui, et du coup, le fantôme de Ganondorf. Enfin, de Ganon. Pas mal. Non, ça, ah, ça non, termine, ça alors... Bon, donc on a une bonne armure. Une oui, bonne... ouais. Bah, de toute façon, il fallait. Après, prêt. C'est pas l'armure, c'est surtout les attaques, là. Ah, mais punaise, j'arrive pas à viser. Du coup, il en reste plus qu'un. J'espère que je suis allé à mes sons abîmés. Ok, alors. Attention, hein. On dirait les miasmes du roi démon. Alors c'est là-bas qu'il se cache. Maudit soit-il, il a ramené ces créatures à la vie. Mais s'il croit que ça suffira à nous arrêter, il se trompe. Nous avons chacun un compte à régler avec un de ces monstres. Tu n'as pas besoin de t'en mêler, Link. Link, vas-y, pars devant. On va se charger d'eux. Faut voir de quoi les sages sont capables. T'en fais pas. C'est des ennemis qu'on a déjà battus. Ce sera un géant fort, tu peux me croire. Va, Link, je t'en prie. Nous plaçons tous nos espoirs en toi. C'est stylé. Du coup, ça me pensait à tous les cliffhangers de films. En fait, t'as un truc et à la fin, ouais, mais vas-y, prends-le. Oui, c'est ça. Attends, mais je comprends pas. Ah non, c'est là. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Mais t'as été Kiblo. Ah oui, ça en fait, c'est ma spawn oui. Là, du coup, oui, je fais mince. Donc là, ils sont plus là et t'as plus les pouvoirs. Non. Si non, j'ai les pouvoirs. J'ai plus eux en fait. Je peux plus les utiliser, ils sont là-bas. Puis je suis trop profond, de toute façon, on peut pas les utiliser là. Je les ai. Ah oui, bah oui. Est-ce qu'on peut remettre l'épée par contre? Pour l'instant, non. Attends, on va prendre une meilleure épée. C'est stylé, hein. Ça fait peur, hein. C'est giga classe de ouf, hein. Ouais. Là. C'est ultra classe. Bah, c'est évolutif, en fait. Il est temps de rendre à ce royaume l'apparence qui doit être la sienne. Je ferai régner ma loi sur le monde, je vais le subjuguer. Comme il sied au souverain que je suis.
ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Non mais les cinématiques avec Ganondorf, elles sont giga classe. La voix du doubleur. Ah. Tu récupères ton épée direct. Ok. Est-ce qu'on peut l'amalgamer? Parce que du coup on n'a pas la puissance. Oh mince. C'est ce que je me posais la question, parce que en fait... Bah faut se rouiller alors. On va voir, je vais juste voir. Ok, bon il fait pas il très fait mal, pas c'est normal puisqu'on a quand même une armure. Bah c'est pas la meilleure armure mais... Ok. Ok. Ok, bon, on fait mal. Oui, j'ai l'impression, ouais. On fait plutôt mal. Il est tellement lourd, il est tellement puissant. Il est beau. Non, mais il est tellement incroyable. En mode samouraï, c'est exceptionnel. Ça fait plaisir d'avoir un vrai boss comme ça sur. Que ce soit sur Breath of the Wild ou. Ouais, en fait, j'essaie de. C'est terminé. Imprévisible. Oh oh. Il m'esquive. Oh c'est énorme. C'est que de l'esquive du coup. Oui. Ok. Bon allez, on va essayer. On est 40 coeurs. Ah mais punaise. Ah, j'arrive pas à esquiver. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas. Mais c'est pas vrai hein. Tu vois, quoi? Je crois que c'était bon. Ouais, c'est non, mais tôt. C'est. Tu peux peut-être pas? Si, si. Et tu peux pas lui lancer des flèches? Si, 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 mais attends. Non, ça se trouve. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça se trouve, tu peux faire le mal qu'avec. Non, 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 non. Ah, tu peux taper avec les flèches. Oui, ça se trouve, tu peux taper avec les flèches. Je pense à la game face, de toute façon. Ah, ouais, c'est un. Il est trop bien. Il est tellement. Il est tellement puissant. J'arrive pas à esquiver, je sais pas quoi esquiver. Tu penses qu'il va y avoir une deuxième phase? C'est sûr. Je vais juste prendre des miasmes comme ça au moins. Ouais. Juste pour être safe. Après, de toute façon, on avait dit qu'on serait tellement au niveau en termes de cœur oui, et tout oui. Que. Ah oui, vache. Bah, le problème, c'est que j'avais, ça, pas en fait. Bah, j'avais pas beaucoup de fleurs qui permettent de rendre des miasmes. Ah oui, vache. Il faut miasme du coup. Bah, tu peux prendre un remède anti-miasme. Oui, oui, après je peux. Soumets-toi. Bah, j'y arrive pas du tout. Hein. L'esquive, je sais pas quand le faire en fait. Bah, surtout qu'on l'a beaucoup fait sur Breath of the Wild, mais pas du tout là-dessus. Après. C'est le Bushido là. Ah oui. Ah oui. Après, tu peux. Ce qui est bien, c'est que tu peux y aller quand même, même si tu fais pas d'esquive. La petite la musique là, tout. Oui, oui, en mode bourrin. Non, très japonaise. Non, je parle de la façon dont faut le battre, t'es pas obligé de faire de l'esquive quoi. Ouais. Oui, la musique elle est trop bien. C'est tout ce dont tu es capable. Et puis la voix. Ouais. Mais franchement, elle esquive. Et lui aussi t'esquive bien. Ok. Ok. Je pense que c'était que la première partie de beaucoup de parties. Cette sensation m'a manqué. Mon sang bouillonne et mes muscles palpitent. Mon corps entier réclame davantage de pouvoir. Chacune de mes cellules tremble sous l'aiguillon de cette soif inextinguible. Il est temps d'en finir.
Ah, ils sont revenus. Oh, ta-na-na-na-na. T'as 10 000 thèmes, en fait. Oui, oui, oui. Ta-na. C'est incroyable. La musique, la elle musique est incroyable, ouais. Bon, du coup, ils reviennent tous. Ouais. Nous allons te vaincre, roi démon. Pas mal. Je skive maintenant, moi. Oh, la barre de vie. Non, mais la barre de vie, quoi. Exceptionnelle, la musique. Terrasse, le roi démon. Les musiques, depuis là qu'on est rentré dans le tunnel, c'est... Oui, mais non, mais toutes oui, les musiques oui, de Breath of the Wild 2... Bah, surtout celle du premier boss, ouais. Oh, il prend l'arc. Ah oui. Ah oui, c'est le vrai, mince, je crois que c'était le vrai celui-là. Yumi, le meuf, remet remis d'intimiasme. Mais parce que t'en as pas créé tant que ça. Ça donne que 3 quarts, mais c'est non, bien. Mais non, c'est antimiasme, ça. Zara ? Ah bon ? Ça fait que 1 en fait, c'est juste 1. Ah, c'est juste pour 1 ? Oh yes ! GG. J'ai réussi. Ah ! Ah ! Ah ! Moitié de phase. Très elle a viré tout le monde. Très jeu de combat là. Oui, jeu. Oui, oui. Mais. Ah oui, il a mis à mais il change. Oui. Juste tester ça pour voir. Ok, d'accord, on peut. Oh, quoi? C'est détruit les cœurs! Il est trop bigard! Mais c'est une blague? Il est trop bien! Il est trop stylé! Il est trop stylé! Et puis tous les autres partout! Ouais, ils sont par terre! J'arrive pas du tout! Ouais, je... ouais. Autant ouais, j'ai mais fait 3-4 fois! C'est bizarre parce que. Fais gaffe, c'est ça qui t'enlève des cœurs! Ah, c'est ouf! C'est trop bien d'avoir fait les esquives! Ouais! Vous avez vraiment crédible! Ok. Bah, je peux pas ah juste oui, taper en pas, fait. Ouais. Ok, bon. On va essayer de faire un truc bien. Bah, je vais pas faire l'arc, ce serait dommage. Oui, bah oui. Ah oui, il y en avait pas mal là. Moi, je récupère les miasmes et je crois que j'ai ça aussi. Bah, on va le garder. Fais pas trop, fais pas trop. On va garder celui-là. Il y a plus que ça. Hein. Ok. Ok. En fait, il y a une petite phase où tu peux. Oui, 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 oui. Ah, oh, j'ai yes. J'ai. Est-ce qu'il aurait esquivé? Du coup, on utilise que l'épée de légende. Ah, c'est ça, mais elle se casse pas. Oui, c'est ça, elle se casse pas. Donc, t'as bien fait de mettre un truc dessus. Hein. Ah mince. Ah mince. Et là, ça t'a tué un peu. Ok. Oh. Et l'antimia, ça marche pas du tout. Hein. Non. Mais ça marche pas sur lui, je pense. En fait, quand lui te tape. Ok. Oh oh. Non. Ton bouclier d'Ilia. Il est cassé. Surtout qu'il était en résistance. Ah, sinon je vais taper avec ça, tiens. Oh, je sais pas pourquoi j'ai pu le taper, là. Il est plus bien, ces trucs-là. Il est à bon moment. Ouais. Il est pas teubé le boss hein. Non 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 non. Ok. Ah bien bien. Et à ce moment-là j'y arrive un peu mieux. Quand il revient.
On allait l'avoir avec l'épée, ce serait pas marrant sans l'épée. C'est la l'arc, c'est pas drôle. Bon, on aura pu utiliser l'arc. Oui, j'ai oui, juste oui, testé oui. pour voir si. Si on pouvait, mais. Bonjour, j'ai fait de la bouffe, hein, n'empêche. Bonjour, j'avais des fleurs. Idiot. Allez, c'est là. Ok, c'est ah, j'y suis. Ouais, t'y arrives bien quand c'est comme ça. Finito ! Non, je pense pas. Il va y avoir une troisième phase. Je m'attendais tellement pas oui, moi non plus, ouais. La troisième phase, c'est le dragon. Et Zelda. Elle va nous aider, c'est sûr. Ah, oh, c'est incroyable. C'est de la cinématique, ça se trouve. C'est insane, ouais. C'est. Non, mais ils auraient dû faire un film. Quoi ? Monsieur. Oh !
Ah, faut juste que tu... Ah, le coup de dragon Ted... Là, il faut utiliser tes flèches, non? Il faut les tuer. Là, faut aller taper au niveau des bulbes. Ah oui, j'avais pas vu. Ok. Babil! J'ai besoin de toi. Franchement, c'est... Oh mince. Bon, c'est pas grave. Si, tu vois, c'est bien le remède anti-miasme. Parce que comme ça enlève que un par un... C'est une série. Franchement, à ce niveau-là de cinématique et d'histoire, ils auraient dû faire un film. Ah, c'est trop mal, ça. Ouais. Mince. Oula. Ok, je peux pas. Ah oui. Tu peux pas en faire deux fois de suite. Oh, c'est trop bien. Et je le dirige, non? Je sais pas trop. Non, elle repart. Oh, c'est trop bien. Après, là, il t'attaque pas vraiment, on va dire. C'est un peu comme le Facultaire. Oui, c'est un peu comme oui, la deuxième phase de... Par contre, tu perds, j'ai l'impression que tu perds... C'est ultra moche, ça. Donc là, tu peux pas retourner l'attaquer, en fait. Il est où? Tout en bas. C'est marrant s'il revient. Ah, oui, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est hyper bien. C'est très bien fait. Du coup, t'en restes deux là. C'est ultra stylé. Toute la musique, les phases transition, la voix de Ganondorf. Il en reste plus qu'un, je pense. Après, ça va être sa tête, je pense. Ça va être sur sa tête ou. C'est trop bien. Ah ouais, c'est... Non, c'est trop bien. C'est trop bien fait. Il y a la tête caméra qui reste sur la tête de Zelda. Oui, qui oui, 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 oui. Ah, et puis il refuse de... Il refuse de... Mince. Ah non! Mince. Ah. Reviens là toi. C'est énorme. Ouais. La musique des Ganondorf. C'est énormissime. Vraiment, c'est ultra stylé. Est-ce que tu peux récupérer le drop? Ouais, c'est ce que je me suis dit, ouais. Essaye pour voir. Non. Une dernière, où? Sur sa tête? On va voir ça. Ah oui. Ah. Ah, au niveau de là où il avait... On va devoir planter... Le... Ouais. On va le sceller avec l'épée. Oh, il est insane. Là où il y avait la gemme. Là où il y a toujours la gemme, il y a.
Enfin cette musique, Il y a Zelda qui va s'écraser, hein. Je dis ça. Je sais pas ce qu'ils nous ont Parce que si t'attends, elle s'écrase. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait avec leur... Ils ont fait une bombe atomique, tu sais. Je vais voir une cinématique, attends. On y va? Bah t'es oui. T'es prête? Bah oui. Je me souviens. J'ai dormi très longtemps, jusqu'à ce jour. Et puis, soudain, j'ai senti une chaleur vaste et apaisante qui m'enveloppait, et je me suis réveillée. J'ai voyagé très loin dans le passé. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Je voulais tellement te raconter tout ça. Et c'est possible à présent. Je suis rentrée. Enfin. Ouais, c'était bien. Ouais, 5 franchement, c'est pas... T'es bête. Ça me fait chier aussi. Non, mais c'est pas ouf. Ah,
C'est ultra stylé. Quoi. C'est ultra stylé, ouais. C'est pas le meilleur jeu qu'on ait fait en let's play. Bah. En termes de cinématique. En termes de scénario, c'est la dernière heure, t'en prends plein la figure, quoi. Ah bah là, et puis oui, les ouais. musiques, tu te rends compte le taf que ça demande, l'orchestration, enfin. Ouais. Bah, c'est bien, quoi. C'est juste bien, quoi. Ah, c'est plus que bien. C'est... Non, mais c'est ultra bien, quoi. C'est ultra bien. Non, mais avec tout ce qu'il y a, en ce moment, il y a de la surproduction de plein de contenu, et en fait, il y a plein de trucs qui sont mauvais, et en fait, là, tu fais punaise, c'est bien. Bah là, ils ont taffé, mais... Bah, tu fais waouh. Ouais, waouh. En fait, c'est le gameplay, le scénario, les personnages, oh, là, le doublage, les cinématiques, dragon, la musique... Le doublage de Ganondorf, il est tellement majestueux, en fait. Non, mais il n'y a rien qui est mauvais. En fait, il n'y a rien qui est mauvais. Ouais. Je sais même pas. Même, tu vois, c'est gnangnan, Zelda qui revient, c'est pas forcément ça qui m'a ému, je m'en fous, c'est juste la totalité, la musique, là, quand il tend la main, là, enfin le tin, en fait, c'est enfin là, c'est ce moment où t'attends tout le long ce thématique qui t'ont balancé dans la figure, non, mais de... pendant quand ils ont dévoilé gameplay, donc le teaser, ah ouais, trop bien cette musique, jamais, et là il arrive, et puis quand il tend la main, en fait, juste les trois dernières notes, en fait, moi ce qui est puissance, toujours ce qui m'attache beaucoup plus, c'est la musique. Ouais, là, la musique, elle est monstrueuse, ouais. C'est monstrueux le taf qu'il y a au niveau de la musique. Puis là, on a plus de 100 heures de jeu. Non, mais c'est monstrueux, la musique, elle est monstrueuse, c'est incroyable. C'est la meilleure musique de tous les Zelda, j'ai l'impression. Hein. Ils ont l'air d'avoir taffé de ouf, ils reprennent toutes les thématiques de plein d'autres Zelda. Ouais, c'est épique. C'est épique. Là, ouais. La fin, elle est épique. Mais elle est épique de ouf. Ganondorf, il est pas détestable, il est incroyable. Non, il est incroyable. Ouais. Oh, le seul truc qu'on peut reprocher au jeu, franchement, c'est juste les cinématiques redondantes des boss. Ouais, il y a juste ça, ouais. Et franchement, à part ça, il y a même pas un défaut au jeu, quoi. Non. Franchement, il y a pas de défaut au jeu. Bah, il est tellement agréable, quoi. Ouais. De ouf. Puis, ouais, c'est pas difficile, ouais, mais on s'en fout, quoi. Justement, non, t'aurais pas des. Je sais, mais. C'est accessible à tout le monde. Puis, la musique, on a moins, on dirait à moitié la musique de Mordor des Chats. C'est symphonique, c'est bon, quoi. C'est symphonique de ouf, en fait. C'est ultra bon, la musique est ultra bien. Et puis le fait que Zelda revienne, c'est encore mieux. Ouais, mais c'est parce bien. En fait, c'est un univers. Ils arrivent à t'imposer un univers, à te faire rêver tout bêtement. Monde où, je sais pas, depuis quelques années, c'est pas fou, quoi. Non, mais en vrai. Comme une scute, mais je suis fatigué. Non, je suis pas fatigué. Non, je suis juste content. En fait, c'est larmes, pas d'émotion, je suis content. Je suis content que ça soit bien. Que ça soit à la hauteur de mon attente, et je suis content. C'était même pas à la hauteur de notre attente. Ah, c'était au-dessus. J'ai été spoil de rien du tout, quoi. Absolument rien. On a été spoil de rien. On a vu une image de Ganondorf quand il sourit, que tu vois écrit Ganondorf, mais c'est tout, ça tu dis bon, normal. Oui. Ah, mais la musique de. Des auras. Après, oui, il y a des musiques qui sont reprises de Breath of the Wild, c'est pas le problème. L'OST de Breath of the Wild, elle est énorme aussi, mais. Les musiques, c'est la musique qui fait tout. La musique, c'est tellement important. Et puis les sages, ils sont importants sans être importants. Tu vois, t'es pas. Et puis Zelda, à la fin, le dragon, le combat de dragon. Oh là là, c'est ça. Et puis ça marche bien. Par contre, je sais pas ce qu'ils nous fait comme explosion de dragon, mais. Parce qu'en soi, déjà la destruction de dragon, t'as déjà tué un dragon sans Zelda. Et la Tears qui explose. Oui, du coup, ça fait. Ouais, du ça coup, fait. C'est une bombe nucléaire, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Incroyable, franchement incroyable. Exceptionnel. Alors on nous a dit qu'il y avait quelque chose en plus à la fin. Oui, ouais, on nous a dit que c'était comme Marvel. Best de Zelda, c'est le meilleur Zelda. Là, honnêtement, ça me réconcilie de ouf avec par rapport à Breath of the Wild. Moi, Breath of the Wild, c'est pas le meilleur Zelda. Mais là, celui-là, il est violent. C'est pas compliqué le scénario, mais c'est bien fait, c'est efficace. Pas compliqué. Après, ils ont bien taffé leur truc. Non, le scénario, moi, je trouve ouf. Ouais, mais c'est pas compliqué. T'as un prince, une princesse, tu veux sauver la princesse, elle a été enlevée, t'as un méchant qui veut des forces du mal, mais c'est bien fait. Oui. Et puis même quand ils arrivent, les sages. Oui, avec le combat des monstres. Je suis pas triste, je suis juste content. On va pas refaire les
combat des boss et tout, et tu vois les prodiges, enfin les sages qui arrivent et qui disent t'inquiète pas Link, je vais le faire. Non, mais on a consommé beaucoup d'audiovisuels ces trois dernières années, et en fait il y a plein de trucs qui ont été moyens. Quoi. Ouais, puis même les jeux. Là, le dernier truc qui nous a vraiment plu, c'est qu'il braque Garde Galaxy, quoi. Ouais. Et avant au cinéma, c'était pas fou, quoi. Ouais. Non, mais même en jeu vidéo, c'était bien sans être. Et puis peut-être que ça me parle beaucoup à moi, donc ça me touche énormément parce que c'est vraiment un jeu que je kiffe et un univers que j'adore depuis que je suis plus petit. Peut-être que pour vous, vous avez trouvé ça pas si ouf que ça. Oui, c'est ouais, possible. Oui, ouais. Mais en fait, après, faut voir chaque personne. Oui, c'est ça. Mais là, c'est exceptionnel. Bah, là, on peut pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est, c'est pas possible. C'est pas ultra possible. Bon. C'est ultra bon. Ouais. C'est déjà rien que le gameplay, parce qu'on même quand là tu vas chercher avec la foudre, la tenue, et que t'as la troupe qui se dévoile, bon c'est un peu bizarre. Ah, il y a toutes les voix françaises. Ah oui. Ça va sous trail, ouais. Bah il y en a plein, ouais. Bah, et puis c'est des doubleurs de d'anime, ah, bah, comme oui, ça, de plein de trucs. Mais Ganondorf. Ah ouais, la voix de Ganondorf. Rien que la voix de Ganondorf, elle transporte dans le truc. C'est incroyable. Je ne peux pas me dire que c'est un enfant. Non, mais l'évolution de la voix de Ganondorf quand il est squelette et quand il est ouais. Venu, enfin quand il revient. Ça, après, ouais, c'est hop, ça. Et puis après, son dans gros sa grosse pied, voix, là, avec ses grosses cuisses là. On a beaucoup vu les pieds de Ganondorf par contre. Oui, ouais, je sais pas pourquoi. Il y avait une fixation. Parce que le fait qu'il pose sa jambe puissante, il est lourd, tu sais, quand oui, il saute. Oui. Tu sens qu'il est lourd en fait. Et même Minero, marche, c'est mignon, tu vois, c'est pas très compliqué. Moi j'adore le doublage de Link, de Minero quand elle dit Link. Je trouve qu'on dirait une petite mamie qui dit Link. Ouais. C'est ultra bien. Je trouve ça trop bien. C'est ultra bien. Ah ouais. Bon, il est ultra bien le jeu. Ouais, ça, mais ça à l'envers, c'est une autre musique. Ouais, ouais, c'est ça. Là, les thématiques, tu reprends la berceuse de Zelda, tu reprends tout ça. Non, mais tout est bon, les sanctuaires sont bons, si on parle que du gameplay en soi, le déplacement est bien, le fait de fusionner des armes, des boucliers, de créer des tout trucs. Est fluide, tout est fluide, tout est ouais, bon. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu un moment où les donjons on a... sont bien, les boss. Non, mais il n'y a pas eu un moment où on s'est dit on est kéblo quelque part et c'est rageant. Ouais, il n'y a pas un moment où tu dis c'est rageant. En fait, ça se voit que c'est un. Avec la mort. Oui, c'est le même plan que quand la main au début sauve. Oui. Avec la mandoline, non, c'est pas ça. C'est je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Du coup, t'as tous les serrages de main. Ah oui. Du coup, la main qui sauve sages. Zelda, la main qui a, et puis à l'inverse, ça finit par Link. Ouais, c'est bien. Il y a eu du taf, quoi. Bah, ça se voit, regarde tous les studios. Ouais, mais les cinématiques, tout, elles sont propres. En fait, c'est un jeu où il y a eu de la passion, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'attente. Il n'y a pas eu d'attente, mais il y a eu du travail dessus. Tu sens qu'ils veulent satisfaire le fan. Ouais, exactement. Mais ça fait plaisir. C'est pas un jeu qui a été fait à l'arrache et hop, vas-y, on balance et puis tant pis. Tu sens que ça a été fait avec passion, du temps, de l'ambition, de... C'est ça qui manque en ce moment, c'est ce genre de choses en fait. Mais en fait, sur tous les profils, pas forcément. Oui, oui, non, mais pas que le jeu. Non, c'est profil. Et là, en fait, t'as Mario, t'as le film Mario, t'as ça, et en fait, tu sens que Nintendo, même si voilà, ils savent qu'il y a du profil derrière, en fait, tu sens qu'à la base, ils veulent que ce soit parfait. Oui, ils veulent que ce soit parfait. Peu importe le temps que ça met, peu importe. On l'a vu avec le film Mario. Non, mais on l'a vu avec Zelda, il était reculé. Oui. En fait, peu importe que ce soit parfait, faut qu'il n'y ait pas de problème, faut que ça marche, faut pas qu'il y ait des bugs, faut que le produit finisse bien. C'est ça, exactement. Et Mario, ils ont tellement dû investir, ça devait être colossal. Il est propre, un scénario, voilà, c'est Mario. Oui, ça fait plus rentable, c'est certes, maintenant, mais oui, mais à la base, qu'est-ce qu'ils disaient que ça marchait? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, Ganondorf, qui revient. Ah non. Ouais. Bah, franchement, bravo Nintendo. Oh. Parce que ça fait plaisir d'avoir un jeu comme ça. Plus de senteurs de si jeu. Si on pouvait avoir arriver, un comme ça par an, toutes plateformes confondues, moi je veux bien. Oui, ouais. Il y en a des très bons des jeux, hein. Ouais, mais il n'y a pas eu. C'est féerique, ça fait rêver, quoi. C'est ça, exactement. C'est pas terre à terre, quoi. Ah non, on nous a dit qu'il y avait un truc après. Hein. Donc là, tu quittes ton jeu, non. C'est comme au cinéma, faut rester jusqu'après la bande-annonce. C'est comme Marvel. Ah. Oh. Wow. Vous imaginez l'ingéniosité déployée pour faire flotter une masse pareille ?
Les exploits de la civilisation Sonao me surprendront toujours. Nous sommes arrivés. Je suis heureuse d'avoir eu le temps de vous conduire jusqu'ici. Admirez. C'est le royaume d'Hyrule tout entier qui s'offre à vos regards. Oh, eh ben, vous étiez déjà monté aussi haut que ça, vous ? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais vous aussi, bien sûr. Vous étiez dans le ciel pendant tout ce temps. Oui, mais je n'en conserve aucun souvenir. Comme c'est étrange. Je n'aurais jamais cru me tenir ici à nouveau. J'ai bien une théorie à ce sujet. Le pouvoir de la lumière, allié au pouvoir du temps. Link a servi de catalyseur au pouvoir de Rauru et Sonia. C'est ce qui a permis ce miracle. Oui. Il est temps. Mon heure est venue. Dame Mineru ! Il y a fort longtemps, nous avions chargé les générations futures d'éliminer ce fléau. Et grâce à vous tous, il a enfin été vaincu. Je peux donc retourner auprès de Rauru et des miens l'esprit tranquille. D'une même voix, nous les quatre, en faisant le serment, nous soutiendrons Valdez. Nous soutiendrons la princesse Zelda et maintiendrons la paix en Hyrule. J'en ferai part à Rauru et à Sonia. Dame Mineru ! Je leur transmettrai aussi tes sentiments les plus sincères. Oh non ! À quoi ? Vous n'avez plus le clé ? Bah si, c'est comme dans Breath of the Wild, ça revient en avant en fait. Le roi Rauru, la reine Sonia, Dame Mineru, ainsi que les sages des temps anciens. S'ils se sont battus, ce n'était pas pour un répit éphémère. Ils voulaient que le royaume vive en paix pour toujours. Et ce souhait, je veux l'honorer. Je veux qu'ils vivent à tout jamais. Il vivra. Nous serons là pour y veiller. Tous ensemble. Thank you.
stylé. Hein. C'est giga stylé. Hein. La musique, c'est important. Ouais. Puis là, ça prend des thématiques, ça fait 30 ans que c'est les mêmes musiques. Quoi. Ouais, donc mais du coup, c'est remasterisé, c'est remis dans le contexte. Voilà. Voilà, voilà. Et après, voilà, tu sais plus quoi faire, c'est comme quand tu sors d'un film, d'une série qui a duré très longtemps et tu fais bon, bah voilà. Il y a un autre qui sort là, non? Ah, le problème, c'est qu'on a un jeu comme ça que tous les 6 ans, quoi. C'est bien 6 ans, ça passe pas si vite. Et encore, non, parce qu'il y a 6 ans, Breath of the Wild n'était pas à la hauteur de celui-ci. Faut qu'on fasse un Zelda. Faut qu'on fasse Wind Waker, il est bon aussi. Voilà, voilà. Après, bon, c'est pas fini, hein, il y a des choses à faire encore, mais. Non, mais en vrai, c'est stylé, hein. C'est On va pas se mentir, les gens. Oh! Ah, yes! Oh! 22 sur 22. Ouais. Être maléfique dont l'origine remonte à la fondation du royaume d'Hyrule, la légende veut que ce soit l'ambition dévorante de cet homme né des Gerudo qui l'ait conduit jusqu'au pouvoir incommensurable qui fit de lui le roi des monstres, affaibli par le grand fléau, le sceau qui le maintenait prisonnier sous le château. A fini par céder, libérant sur Hyrule la plus terrible des menaces. Exceptionnel! Voilà, on en a récupéré notre bras. Donc là, c'est comme Breath of the Wild, en fait, il reste toujours les deux trucs à faire. Mais sauf que tu les as déjà fait, mais du coup, ça a trouvé en arrière. Donc, en fait, il reste tout le reste à faire. C'est ça. Enfin, on a fini, hein. Il y a plein de... Enfin, là, on voit que la map est vide. Oui, 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 oui. On a fait tous les sanctuaires. Il y a ce qui peut être marrant, c'est avoir tous les objets, mais ça va être très chiant. Oui. Mais tu sais, parce qu'il y a une cinématique, qui est assez marrant. Ah oui, pour avoir le parabole. Je crois qu'il se transforme. Non, il se transforme. Ah, il se transforme. En fait, il se transforme vraiment en bon courage. Hein. C'est stylé, hein. C'est super stylé. Ouais. C'est stylé. Ouais. Hein. Il est très stylé. Hein. Ah ouais, ouais, très, il est très, incroyable. Très stylé, hein. Enfin, sur le. En tout cas, en termes d'expérience sur Switch, bah après, non, parce que tu peux pas. Enfin, tu peux pas comparer non, tout, tu vois, Animal Crossing. Le top non, des jeux, c'est. Ouais, mais Animal Crossing, ils ont mis longtemps à faire d'autres mises à jour. Le jeu était pas complet au début. Hein. Ils ont rajouté plein de choses après. Puis c'est pas comparable à ça. Mais c'est incomparable. Bah oui, c'est incomparable. Là, tu peux comparer à Breath of the Wild. Ouais, mais là où tu dis, en fait, là, t'as lancé. Ah, c'est sûr que Super Mario Bros. Wonder, il va être bien, mais. Bah non, mais ça. Oui, mais. Ce sera pas. En fait, non, c'est pas la sensation de ce jeu-là, c'est juste que la sensation de jouer à un jeu qui est complet. Oh. En fait, c'est surtout ça. Et en fait, quand tu lances un jeu et que tu le finis et que tu te dis, moi, là, j'ai pas besoin de DLC, je vois pas pourquoi on demanderait un DLC, sachant que je trouve après, que le jeu est ultra moi, je complet. Dis pas, l'année prochaine, il sort un DLC, je fais avec... Ben non, mais je serais... Oh, ce je vois même pas pourquoi ils annonceraient, mais ouais, ça mais pourrait être cool. Mais là, je ressens pas le besoin qu'il y ait un DLC, en fait. Non, ça finit bien. Non, parce que Breath of the Wild, il y avait besoin, parce que je suis désolé, boss de fin. Bah, c'est une ombre, et puis tu la tues, et puis ouais, là, puis tu transformes, oui, et puis oui, fin. Oui, après, sur le coup, on s'était dit un peu la même chose, il était complet et tout, pas mais. Vu, oui, toi, là, moi, ouais. Sur, Mais là, je ressens pas le besoin d'avoir un DLC. Le jeu, pour moi, est ultra complet. Y'a pas un truc secret après, genre aller chercher un endroit ou... Je sais pas. Mais ouais, c'est ultra complet. En fait, c'est ça qui est important dans un jeu, c'est quand tu le finis, tu dis pas, oh, il manque un truc. Là, il manque rien. Non, tu te dis pas ça dans les jeux comme les Skyrim, les gros jeux, quoi. Même Diablo, je pense, et encore, je pense qu'ils signent vite, mais... Bah, je sais pas, on n'a pas joué, mais... Mais t'as certains, mais en fait, des gros RPG où tu te dis, ah, oh, punaise, ouais. Mais tu sais qu'en achetant un RPG, t'en as... ça va être ça, ça va être oui. Long, peut-être chiant des oui. Fois. Là, c'est pas pareil, c'est un jeu tout week, un peu. Oui, oui. Mais il y a plein de Est-ce jeux... Est-ce que si jamais tu vas affronter Ganondorf et que t'as pas les 4, tu peux quand même y aller? Bah non, parce que t'as pas la quête. Tu penses? Bah t'as pas la quête qui s'affiche à battre Ganondorf. Oui mais tu veux... les speedruns c'est bien en une heure donc comment ils font. Donc je pense qu'il y a moyen mais du coup bah, qu'est-ce qui se passe mais... peut-être pas alors. Oui c'est bizarre ouais, je sais pas comment ça se passe. T'as vu le Pruya, tu pues. Par contre ouais, la Pruya, séquence, la séquence de Pruya elle est pas ouf. Bah au le début, personnage ça allait. De Pruya il est vraiment pas terrible finalement. Bah il si au début ça allait. Il est stylé mais en fait... Non au début ça allait. Mais là, la séquence qu'elle fait juste avant... Elle sert à rien d'un coup, et puis elle parle plus, oui, puis voilà, salut. Ouais ok d'accord, c'est elle qui est normalement la protagoniste, et puis en fait finalement elle devient... Vachement en arrière, quoi. Oui, oui, oui. Mais les sages sont super stylés, les... Babil, il est trop mignon. Babil, il est trop chou, ça, la voix de Babil, elle est efficace. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, quand même, hein, 48 épisodes. On n'aura pas fait 50, mais... Bon, alors si, on fera 50 juste pour le délire, mais... Ouais. Après, on avait pensé à vous remettre toutes les cinématiques le film. Oui, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on ait tout le cinématique, tout le film, quoi? Mais bon, après, ça va durer 2 heures. Là, ça va durer longtemps. Hein. En fait, on a gardé toutes les pistes. Ouais, de c'est toutes ça. Toutes nos cinématiques depuis oui, le début. Normalement. Et en fait, normalement, mais en gros. Après, t'en as 4. En fait, on ressemble. Voulait mettre bout à bout et faire une sorte de film, quoi. Ouais. Parce que pour ceux qui, par exemple, pourraient pas
les moyens d'acheter le jeu ou la Switch, bah en fait ça permet de faire ça. En soi, bah faut avoir. Ouais, faut Nvidia. On a gardé tous les souvenirs aussi, donc bah si vous voulez. Après les souvenirs, tu peux les revoir. Oui, là en fait tu peux les revoir. Là, t'as pas besoin. Ouais, on savait pas. Enfin, je savais pas. Du coup, il y a pas. Bah non, puisque bah non. Bah non, parce que c'était fini. C'était les souvenirs de Zelda. Bah voilà. Bon, c'était bien. Ouais. C'était très très bien. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, c'est bizarre. Ouais. D'accord. On l'a cherché. On l'a cherché quand il fallait, et là on le veut pas, et il est là. Bah on va fouiller un petit peu, voir ce qu'il y a à faire en autre partie. Je sais pas s'il y aura une vidéo demain, peut-être. Je sais pas, peut-être. On va voir. Bah, attends, on va déjà reprendre notre souffle, réaliser que c'est la fin, revoir ce qui s'est passé. On prend plein la figure pendant une heure, quoi. Il y a cinématique sur cinématique, les musiques sont oufissimes, tu poses ton truc, t'écoutes, tu regardes et tu fais ah ouais. Ouais, bien, pas un moment pour le boss, t'as pas ragé, mais tu t'es pas dit oh c'est chiant le boss ou non, machin. C'est vrai qu'on a bien farm aussi, mais et encore, j'ai pas la plus grosse armure, hein. J'ai une armure qui donne du 34. Hein. Oui. C'est ça ? 36, franchement, c'est pas ouf. Hein. Non, franchement, mon armure elle est pas terrible, hein, 36. Oui, elle est pas terrible. Ouais. Après, c'est stylé pour les cinématiques. Ouais, du coup, après, ça l'a enlevé, mais c'est marrant. Ça faisait un peu dragon aussi. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Bon. On fera le boss un jour. Mais bon, c'est long, mine de rien. Ouais, c'est long, hein, une heure presque. Beaucoup plus long que ouais, Breath of the Wild. Voilà. En même temps, t'as trois phases bien distinctes, voire limite quatre phases. Donc vous avez notre ressenti. Pour moi, c'est... 5/10, c'est correct. Bah, c'est le... Du coup, ça passe en top 1. C'est assez satisfaisant qu'ils auraient su à faire ça sur la Switch, quand même. Oui. Qu'on n'ait pas attendu notre console et tout. Oui. Bah, c'est top 1 des meilleurs jeux de Switch, quoi. Après, il mange sa pierre et il se l'enfonce dans le... Ouais. Il met son bras entier, tu sais. Oui, là, il met carrément son bras. Je me suis dit, oula, ouh. Par contre, Link et Zelda qui tombent dans l'eau à 6000 mètres d'altitude... Parce que tu retombes exactement au même endroit de là où... Oui, je sais, de là où tu commences. C'est quand ça est stylé aussi. Ouais, tout bien. C'est bien fait, ouais. Les angles de caméra, de shoot, et ils ont bien travaillé le truc. Ils ont plus travaillé ça, je pense, que certaines autres cinématiques, mais en même temps, c'est le finish. Bah oui, c'est le finish. C'est le final, quoi. Il faut que ça claque, quoi. Et là, ouais, mais en fait, ce qui était agréable, en fait, par rapport à Breath of the Wild et par rapport à tous les boss qu'on a fait, c'était un être humain. Tu te battais contre un être humain, en fait. Ouais. Qui était réaliste, qui avait une vraie ambition. Ouais, en fait, ça rend crédible le truc, oui, en mode, ouais. T'as pas envie... Tu sais, c'est un peu comme Thanos dans Avengers. Oui, ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Par contre, parce que Thanos, c'est un peu un être humain, par contre, quand c'est un vieux truc alien extraterrestre, c'est ça. Il se fait éclater, c'est pas grave. Oui, en fait, comme c'est... Il a une conscience, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Tu vois, l'ombre de le fléau, là... Bah oui, en fait, ça sert à rien, en fait. Il est dégueu, il parle pas... Et là, c'était ultra stylé, en fait. C'était vraiment stylé, c'était un vrai ennemi. Ouais, en fait, au-delà d'un boss, c'est un ennemi, un vrai. C'est marrant la posture avec son katana et tout, c'était énorme. Ouais. Énormissime. Ouais. Énorme. Bon, on va s'arrêter là. Du coup, on a pas pété notre bouclier. Ah bah oui, on est revenu dans le temps. Et puis il y a Zelda qui est revenu en dragon. Bah, même ça, c'est mignon, avec Sonia et Rauru. En plus, tu sais que c'est un coup. Enfin, c'est attachant, en fait, oui, l'émotion ouais, des oui, personnages. Oui, oui, de dire, ouais. Ah yes, ok. Donc les uns sur les autres, il y a des relations. Ouais. Là pour autant, la princesse Zelda, c'est pas la princesse Nino qui est amoureuse du prince, tu vois. Lui, oui, c'est oui, juste oui, un oui. Suppléant, mais en même temps, là, elle était gentille avec lui, genre, c'est bien ce que... Non, elle était gentille. Et je trouve que, du coup, par contre, ce qui est bizarre, c'est vraiment, il n'y a aucun lien avec Breath of the Wild, à part les prodiges. Trucs, à part Yonobo, Babil, que tu vois. Ouais, mais en vrai. C'est vraiment un jeu, t'as pas besoin de faire Breath of the Wild. De ouf. C'est pas du tout un 2, bah, heureusement qu'on peut pas faire 2. Non, t'as pas besoin du tout de faire de Breath of the Wild. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bon, le meilleur, c'est Babil. Hein. Le meilleur, c'est Babil. Babil, il est trop bien. Il est trop mignon, t'as envie de lui faire... Ouais. Trop mignon. Voilà. Et voilà. C'est que des... On a vu tout le monde. Mineru, bon, le grand cougar, Rauru, l'arbre Mojo, Noya, Ganondorf, le roi démon. Voilà, il faut s'arrêter. Hein. Ouais, il faut s'arrêter, j'arrive pas à m'arrêter, mais on va s'arrêter. Bon, j'espère que ça vous a plu. Parce que nous, ça nous a plu. Ah ouais. Voilà. Ah on ouais, répète, ça nous a plu. 4,5 sur 10, c'est pas mal. 3 même. On peut mieux faire. Non, c'est énorme. C'est énormissime. Non, mais... Il n'y a pas de note, mais... Bah, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Oh, ça m'a fatigué, moi. Il fait chaud, en plus. Ouais, il fait chaud. C'est giga chaud. Voilà. C'est incroyable. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est très, très bien. Bah, faut nous dire ce que t'en as pensé. Là, surtout que la fin, t'as même pas besoin de savoir jouer au jeu, tu subis les cinématiques, tu fais « Oh, c'est tellement stylé ». Oui, ouais. Vous pouvez maintenant nous dire votre ressenti, vos spoils, tout ce que vous voulez, si vous l'avez fini un mois avant nous... Parce qu'il y en a qui disaient, ouais, je vous dis pas, bah, du coup, ce que vous avez pensé, du coup, ça a démangé, bon. Ah, je veux leur dire,
mais c'est bon, pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On a fini le jeu. Bah franchement. De l'année sur Switch, je pense. En tout cas, le Game of the Year sur Switch. Hein. Ouais. En termes de, je pense que Pikmin sera bien, mais en termes de scénario, Mario Bros. Wonder sera bien aussi. Dans son truc. Ouais, à jouer à plusieurs. Là, c'est pas un jeu coop, c'est pas pareil. Là, c'est différent. Mais c'est oui, c'est. Franchement, les gens, faites-le si vous avez la possibilité de le faire. Ah ouais, c'est. Bah, tu prends une claque, quoi. Vraiment. Même là, même si vous avez vu tout ce qu'on a fait, je pense que tu prends plaisir à le faire parce que c'est long, c'est progressif et de revivre la fin. C'est comme revoir un bon film, bonne série. En fait. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. En tout cas, faut faire péter avoir de pouces bleus. On va pouvoir aller ranger au placard. Oui, c'est ça. Bon, on va les laver déjà. Faut nous dire ce que vous en avez pensé. Votre ressenti par rapport au jeu, par rapport à tout ça. Même si vous n'y avez pas joué, hein, par rapport aussi aux vidéos que vous avez regardées avec nous. Aux 48 épisodes, je pense que c'est pas fini parce que bah déjà j'ai pas envie de quitter le jeu comme ça. Ouais, on va essayer de faire 50 quand même. Ouais, on va essayer juste d'aller chercher les tenues, les petites. Comment on a fait sur Breath of the Wild 70, ouais, mais il y a les DLC aussi. Ah non, on n'a pas fait autant. Ah si. Non. Si, on a fait 60. Ben, on a fait les DLC, c'était. Ah voilà, oui, bon, bref. Ouais. Non, mais voilà, faut rester au courant parce qu'il y aura d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Ouais, et puis bien évidemment, même si voilà, c'est d'autres jeux vidéo et que c'est d'autres univers, bah, on sera aussi présent sur d'autres jeux comme Brawl Stars et tout qui arrive avec les mises à jour. Oui, exactement. Voilà. Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Gimme Kim. Allez, salut!